Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser de nouveau à la Ligue Osiris et aux pronostics. Comment devenir milliardaire grâce au Auric et pouvoir les dépenser dans le store pour acheter des statuettes et plein d'autres choses, même si le nombre est limité. Je vous avais fait une précédente vidéo pronostic, on va pouvoir voir ce que ça a donné. Si jamais vous avez raté cette vidéo, c'est dommage. Je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller voir ce que j'avais pronostiqué et les résultats qu'on va voir aussi à présent. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et à cliquer sur le pouce bleu aussi si vous aimez cette vidéo, ça nous permettra de continuer l'expansion de cette chaîne. Donc alors, sur les pronostics que j'avais fait précédemment, on va voir, je vous avais fortement conseillé de miser sur un match en particulier, les A contre les ANB8. Et vous allez voir que si vous avez suivi ce conseil, alors j'ai fait deux paris différents, hein, un sur mon reroll sur lequel on est actuellement et un sur mon main où on va voir tous les résultats un à un. Sur mon reroll, j'avais suivi mon conseil jusqu'au bout puisque comme vous le voyez, AOC, pardon, pas les A, les AOC contre les ANB8, je vous avais dit de parier à fond sur les NB8, c'était un pari en contre-cote, c'était vraiment pour moi, je ne comprenais pas la cote de ce pari puisque les NB8 étaient d'après leur historique et les scores qu'ils avaient fait dans leur match pour moi les favoris, mais ils étaient grandement en négatif, tout le monde pariait contre eux, sûrement dû à la réputation des AOC. Et donc j'ai tout misé sur eux et comme vous le voyez, j'ai presque fait un x7, un bon x7, entre x6 et x7. Et je me retrouve déjà avec un seul tour seulement de ligue sur mon reroll à plus de 10 000 auric. Donc je peux acheter tout ce qu'il y a dans le store, enfin l'item le plus cher qui est à 10 000, je peux déjà l'acquérir. Alors ce que je vous conseille de faire sur vos gains, c'est assez simple, c'est comme dans la vraie vie, hein. Vous gardez la moitié et vous redépensez le reste. Ça vous permet de garder un petit matelas de sécurité, donc vous n'aurez pas de soucis comme ça. Donc là, c'est pas ce que je vais faire, évidemment c'est mon reroll, donc je vais tout remiser. Il n'y a aucune utilité pour moi de les garder, et puis c'est surtout plus fun. En revanche, sur mon main, je vais jouer comme ça, je vais garder un petit confort de sécurité au cas où. Allons voir la liste des autres matchs et mes pronostics, qu'est-ce que ça a donné. Encore une fois, hein, les NB8, c'est le match que je vous avais recommandé très fortement. Je vous avais dit, il fallait vraiment jouer sur celui-là. C'était un des trois matchs à forte contre-cote sur lequel il fallait miser. Allez, on est parti. On va sur mon main et on va aller voir. Il y a deux matchs qui n'ont pas eu lieu malheureusement. Et sur un des deux matchs sur mon main, c'est celui sur lequel j'ai investi le plus fortement. On va aller voir ça tout de suite. Hop, 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 mise de ligue. Et si vous regardez l'historique, donc les JWM contre les DSP et les NCB contre les BBTH. Alors, sur le premier, j'ai joué les JWM. Bon, classique, la cote est très forte pour eux, donc le gain sera faible. Le deuxième, j'ai joué les BBTH en forte contre-cote. Donc là, si les BBTH gagnent comme je le prévois, eh ben, les gains vont être énormes parce que j'ai misé 831 dessus. C'est mon plus fort pari. Vous voyez, sur les ANB8, j'avais mis 200 et j'ai pris 1241 sur mon main. Donc on est bien là aussi. Donc si on regarde dans leur ensemble ces premières stats, donc les deux premiers matchs, il faudra attendre. On a eu un mail qui disait que ça allait être replanifié. Donc on va bien pouvoir voir. De toute façon, ils n'ont pas le choix, hein, s'ils veulent bien classer tout le monde. Surtout que les JWM sont les favoris pour remporter cette ligue. Moi-même, je les ai mis en gagnant. Les NB1 ont gagné comme prévu. On a suivi la cote. Donc vous voyez, quand on suit la cote, hein, le gain est faible. Hein, on a gagné quoi? On n'a rien gagné là. On a gagné 5% de la mise de départ. C'est du vent quoi. Les OV, point d'exclamation, contre les K9T, on avait joué OV, la cote était un peu plus serrée, donc là, on a presque doublé notre mise, c'est très bien. DSN, FTKA, alors là, contre toute attente, les DSN ont gagné, donc on a perdu la moitié de notre pari. La cote était serrée, donc de toute façon, on n'aurait pas eu des gros gains, mais on a quand même perdu une vingtaine d'auric. Les 23-4A et les NB2, on a gagné puisque c'était les NB2. Les UCS ont gagné, on a gagné. Vous voyez, quand on gagne et que les cotes sont serrées, hein, on n'a pas grand chose en gain. 8 auric, au-dessus c'était 6 auric, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Là, gros pari, donc dans les 3 contre-cotes fortes que je vous avais donné les AOC contre les NB8, j'avais encore une fois insisté, c'était le match à jouer. Les 96 RZ contre les K42 aussi en contre-cote, c'était un match qu'il fallait jouer, mais je vous ai moins incité le NB8 vraiment. Et les BBTH, c'est les 3 matchs en contre-cote que je vous conseillais. Donc pour l'instant, sur les 3 matchs en contre-cote, 2 ont été joués et 2 ont été remportés. Donc les 96 RZ, j'ai presque fait x5 ma somme de mise, donc c'est parfait.
OYO ont gagné aussi, 10-93 ont gagné, les WarZ contre toute attente ont perdu, les NB8 ont gagné, on en a déjà parlé, les TX46 ont perdu contre les IKM, là c'était un match serré donc il y avait quand même, c'était une chance sur deux. HKL, KW61, les HKL ont gagné, les A contre les 400 ont gagné aussi, c'était logique, et les White Tiger ont gagné, et à souligner, les White Tigers ont gagné, mais pas avec une grosse marge. Hein. Ça a été, malgré la différence de puissance de 700 millions en faveur des White Tigers, les LG se sont très bien battus et il y aurait pu avoir une grosse surprise sur ce match-là. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas, même si les gains restent faibles puisque la cote était très favorable aux White Tigers. Donc vous le voyez, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 matchs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est bien ça. Donc 14 des 16 matchs, et sur 14 matchs, on a eu 11 cotes bonnes et 3 mauvaises, donc on verra avec les deux dernières quel est notre taux. Mais c'est plutôt pas mal, hein, ce qui fait qu'on a déjà plus que ce qu'on a investi et plus que ce qu'on avait au départ en RIC, donc selon les deux derniers matchs, on devrait être très bien pour le prochain tour. Alors le prochain tour, on s'attarde maintenant à présent aux pronostics. Quels sont mes pronostics? On voit. Hop, on commence par le premier. C9N contre GoGT. Pour qui on mise? Alors on regarde l'historique. Déjà la puissance. La puissance, il y a 300 millions d'écart en faveur des C9N. C'est ce qui sûrement fera la cote. Je pense que beaucoup de joueurs jouent à la puissance et c'est pas forcément significatif. Donc, sur l'historique, ils ont gagné contre les WarZ, comme je vous le disais, contre toute attente, on n'avait pas parié contre eux, pour eux. Les GoGT ont perdu leur dernier match contre le 10-93, ça, on l'avait parié, donc il n'y a pas de souci. Ils ont pris vraiment une belle raclée, là en plus, ils se sont vraiment fait laminer. Les GoGT, j'aimerais voir les 10-93 pour me prononcer là-dessus. Les 10-93, les 10-93, où sont ils sont là. D'ailleurs, ils tombent contre les WarZ, ils ont inversé, c'est normal. Ok, il y avait un écart de puissance très important en faveur des 10-93, hein, donc ceci explique cela. Donc c'est pas forcément parlant. Là, l'écart est moins fort. GoGT, ils ont gagné face au K50 et ils ont gagné face au AW, mais c'est pas tranché. Là, je suivrai la cote, je miserai pour C9CN. Donc, pour me laisser un droit de réserve, je vais mettre juste un jeton puisque je changerai cette cote-là après par la suite. Je peux pas mettre juste un, c'est trop dur et on peut pas cliquer. 4, non, je peux mettre que 4. Bon, je miserai plus tard, je verrai parce que je vais peut-être tout investir sur un seul match par la suite. Donc, C9N pour ce match. Allez, je vais mettre 4, c'est bon. Hop. On va faire ça, comme ça sera marqué. Ah bah, il m'a pas mis sur le bon. Ok, je viens de faire une erreur parce que je voulais miser C9N, j'ai misé GoGT. Donc c'est super. Hop, je récupère mes 250 euros au passage. Donc, ne faites pas comme moi, hein. On mise C9N pour le premier match. Ça commence bien. Il faudra s'en rappeler pour les pronostics de la prochaine vidéo. Pas GoGT, C9N encore une fois. Sauf si je gagne par surprise, mais là non, hein, je vous insiste. J'insiste, C9N. Deuxième match, les 400 contre les NB2. Si on regarde l'historique. D'ailleurs, ça c'est dommage, on ne peut pas annuler son pari, c'est vraiment très handicapant, vous voyez, on ne peut pas l'annuler, on ne peut rien faire une fois que c'est parié, c'est parié. C'est vraiment dommage ça, j'espère qu'ils vont le patcher. Donc, on a des puissances, encore une fois, un écart d'un peu moins de 300 millions. Si on regarde l'historique des matchs, les Murders, ils ont perdu leur dernier match contre les A, ils ont gagné les deux précédents, avec des écarts qui restent faibles. En face, les NB2, en face, je jouerai donc les NB2, donc je jouerai comme la cote. Donc on joue les NB2. Les NB2 c'est une équipe plutôt sûre, plutôt stable. Et là on est obligé de mettre 5, donc je comprends pas pourquoi parfois c'est 4. Bref, ce n'est pas grave, il faudrait qu'on puisse cliquer dessus directement. Donc NB2, donc C9N, NB2. Le troisième, DSP contre HKL. Alors les DSP, ils ont gagné largement leurs trois derniers matchs. Les HKL, ça a été serré. En termes de puissance, faveur au DSP. Là, franchement, pour moi, il n'y a pas de surprise, hein. On joue vraiment dans la cote. On joue les DSP également. Bon, pour le moment, il n'y a pas de match qui, pour moi, peuvent créer la surprise. Voilà, 5 pour les DSP. On continue. UCS 96RZ. Alors, les 96RZ, évidemment, c'est nos chouchous, là, hein, puisqu'ils ont gagné avant. Ils nous ont bien fait gagner, des Auric. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on a comme historique. UCS a gagné ses trois derniers matchs.
de façon plus ou moins large, ça a dépendu. 96 Hz, c'est des vrais combattants. L'écart de puissance est très net en faveur des UCS. Là, malheureusement, on va parier contre les 96 Hz. Je dis malheureusement parce que j'aime bien, puisqu'ils m'ont fait gagner beaucoup au tour précédent. Donc, allez, on continue. UCS. TX46 DSN. TX46 DSN. Trois derniers matchs remportés. Dernier, pardon, le dernier match perdu sans large écart, 20 000, ça reste un écart confortable, mais pas colossal non plus. Les DSN n'ont gagné que leur dernier match, ils ont perdu les... Ah non, ils ont changé de nom, pardon. C'était les S et W avant. Donc ils ont gagné leurs trois derniers matchs. Pour qui on parie? La puissance, c'est vraiment kiff-kiff. Les TX46 sont quand même sur une dernière défaite. Les DSN ont gagné, ils ont la confiance. Ils ont su à chaque fois gagner d'avoir une bonne stratégie quand même, les DSN. Vous voyez, la cote, elle est serrée là, hein. On va parier les DSN sur celui-là. La cote est serrée, on va viser sur eux. Pour moi, ils peuvent. Bon, de toute façon, là, c'est 50-50, hein. Il n'y a pas de. Vraiment, c'est vraiment serré et on le voit au score. JWM, KW1, franchement, il n'y a même pas besoin de regarder. L'écart de puissance est colossal. Les JWM sont ultra favoris. Donc, est-ce qu'on peut quand même créer une surprise? Ah non, il n'y a pas de. Non, ils vont se faire laminer malheureusement les KW 61. Enfin, je pense, hein. Après, il peut toujours avoir une surprise. On continue. UTB, K42. Pour l'instant, il n'y a pas de match vraiment à contre-cote où on peut gagner, hein. UTB K42. UTB a perdu son dernier match, mais contre les UCS de justesse. Et ils ont gagné les deux d'avant. La puissance, il y a un peu plus de 300 millions pour les UTB. Les K42, ils gagnent. Ouais, ils ont gagné contre les FCK assez largement, mais pour le reste, ah, malheureusement, encore une fois, là, sur ce tour de ligue-là, toujours pas de surprise, toujours personne à investir massivement. Donc on continue, on investit sur les UTB là-dessus, hein, sans surprise. Il nous reste encore quelques matchs à voir. NCB K9T. Alors les NCB sont sur une série de victoires. Les K9T, leur dernier match est une défaite. L'écart en faveur des NCB en puissance, on est toujours encore en, hein, ce 300 millions, hein. On est toujours sur cet écart type. 300 millions à peu près. NCB, est-ce qu'on parie sur les NCB? On regarde les scores quand même. K9T a su gagner largement. Ah, malheureusement, on est toujours sur la cote. Encore une fois, je dis malheureusement parce que je préfère parier contre cote, hein, c'est ce qui rapporte le plus. Là, il n'y a pas de. Vous voyez, NCB, tout le monde parie sur les NCB. Je pense que les parieurs suivent d'abord la puissance, c'est une erreur, hein. Les A contre les 23 Anonymous Assassins contre les Art of War. Les Art of War, ils gagnent. Ils ont gagné en Dordogne. Non, ils ont perdu le dernier et ils ont gagné celui d'avant, mais pas largement. Les A, équipe lourde, il n'y a pas de souci. 400 millions de puissance cette fois. Un tout petit peu plus que les quartiers qu'on constatait. Les A, ils ont de la bonne stratégie. Malheureusement, encore une fois, on est dans la cote. Je vais miser les A là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mystère. On ne fera pas de gros gains là pour le moment. J'espère qu'on aura un match où on va pouvoir faire une bonne bascule. IKM, FTK. Alors FTK, ma grosse déception du tour d'avant, puisque c'est une de mes trois défaites, un de mes trois mauvais pronostics. On continue donc. IKM sont sur une série de trois victoires consécutives. Ils ont la confiance. Ils ont la puissance pour eux. Les FTK, ils ont perdu contre les DSN. Et ils ont gagné le match d'avant serré. Ouais, là, je miserais aussi IKM. On est encore une fois dans la cote, hein, là-dessus. On suit la cote. Malheureusement, on continue. NB1 AOC. Ah, NB1 AOC. Un match intéressant. Les AOC ont perdu de justesse contre les NB8. C'était un gros combat. La puissance. Là, franchement, je miserais pas forcément sur les NB1 malgré l'écart de puissance. Est-ce qu'on parie contre la cote sur celui-là? Bon, c'est un risque, hein, parce que les NB1 sont très forts. Ils ont dégommé les zéros, on le voit. Mais les AOC ont fait un match de dingue, hein, contre les NB8, hein. Allez, sur celui-là, on va miser sur les AOC.
On prend un gros risque hein, sur celui-là. Hein. Donc, si vous misez contre la cote comme moi, si vous suivez ma cote, misez pas tout sur ce match quand même. Hein. Parce que là, c'est quand même un gros risque. BBTH, OVH. Alors, les BBTH, j'espère qu'ils vont gagner leur match. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'historique là. Les O, pas OVH, les OV. Les OV ont gagné avec un large écart le troisième match, leur ATP du 8e match. Les deux d'avant. De façon plus ou moins large aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les BBTH et les, ouais, la puissance, il y a à peu près 200 millions. Ça reste kiff-kiff quand même. Les BBTH ont l'avantage sur le papier. Ouais, les BBTH. Hein. Allez, BBTH. Alors, là, c'est un match en code serré aussi. Vous pourriez plus ou moins miser sur celui-là. Hein. On pourrait aller plus largement sur les BBTH. Les BBTH devraient gagner. Alors, on continue. Les White Tiger contre les EP. Les White Tiger ultra favoris. L'écart de puissance, il est tout simplement monstrueux. Donc là, malheureusement, pour les E, point d'exclamation, P. Donc je sais pas s'ils ont voulu faire EIP. Mais il est peu probable qu'ils gagnent. On continue. Les War contre les 10,93. Est-ce qu'on a une cote intéressante là-dessus? Ouais, les 10,93 à la puissance évidemment. Les War ont perdu contre les C9N déjà. Les 10,93. Les 10,93 c'est des gros clients. Hein, donc on continue avec les 10,93. On mise sur eux. Je dis on continue parce qu'on avait déjà misé sur eux au tour d'avant. Voilà. Alors, on se dirige tranquillement vers les derniers matchs puisqu'il en reste plus que deux. 0 ANB8. Alors 0, ils sont sur une défaite. Il y a un écart de puissance qui est d'un peu plus de 400 millions en faveur des ANB8. Les ANB8 jouent extrêmement bien. J'ai vu leur match précédent, c'était un match de dingue. Donc forcément, on va miser sur les ANB8. Donc il n'y a pas de coup à faire hein, pour le moment, malheureusement, à part 1. Mais il est risqué. Et les LG1 contre les OUO, là-dessus, la puissance est équivalente. Ils ont fait un match de dingue, les LG1. Ils sont super forts. Donc là, côté serré, on va en profiter. On mise largement sur les LG1 là-dessus. Les LG1, franchement, ils plaisantent pas du tout. Donc on mise sur les LG1. Donc les deux matchs, ouais, on voit bien. Les deux matchs que je vous recommande, qui sont vraiment soit serrés, soit contre la cote, les LG1. Les LG1 restent quand même, à mon avis, les favoris là-dessus. Moi, je miserais plus fortement là-dessus. Je pense que je vais investir sur les LG1. Et ensuite, le match contre cote que je vous indiquais, on va le retrouver. Tac, tac, tac. Il est où? Il est où? Il est là. Les AOC contre les NB1. Donc là, c'est vraiment le risque à prendre. AOC contre NB1. D'ailleurs, écoutez, celui-là, je vais le prendre avec vous, ce risque. Je vais monter ma mise. Je vais monter ma mise, voilà. Donc on l'a montée à 500. Je la monterai sûrement encore. Pareil, LG1, on va monter la cote à 500 aussi. Comme ça, si vous investissez comme moi, on perdra ensemble. Donc les deux grosses cotes sur lesquelles je parie. Les autres, vous allez gagner, mais vous allez avoir des gains faibles. Hein. Au moins, vous ne perdrez pas si la cote se tient. Peut-être les BBTH aussi contre les OV. Les BBTH contre les OV, on peut faire ce pari aussi. C'est un pari judicieux. Donc je verrai, je pense que je vais le renforcer aussi, puisque si la cote reste comme ça serrée, on peut faire une bonne bascule. À voir. Faut savoir que quand la cote est serrée, plus la cote est en votre défaveur, évidemment, comme en vrai, plus vos gains seront importants. Voilà pour mes pronostics. Vous les avez de manière complète. Tout comme ceux de cette semaine, on fera la semaine prochaine, une fois que les matchs auront eu lieu. On fera le bilan, voir s'ils étaient bons, s'ils étaient mauvais. On revoit ceux de la semaine dernière. Ah non, maintenant que j'ai misé. Ah si, je peux les revoir. Voilà, ils sont en dessous. Maintenant que j'ai misé, on peut les revoir. N'oubliez pas que je me suis trompé sur le premier pronostic. Hein. Il faut jouer pas. Hop là, on va y revenir. Faut pas jouer les GoGT, mais les C9N. Heureusement, j'ai mis que 4. Mais de toute façon, la cote, elle est très favorable au C9N. Donc le gain n'aurait pas été important. Donc. Vous le voyez la semaine dernière, sur 14 matchs de jouer, parce qu'il y en a 16, mais il y en a deux qui ont un problème, qui ont dû être décalés, puisque l'élite n'arrivait pas à stabiliser leur plateforme. On a eu
11 bons pronostics, donc ça reste encourageant. On garde la même technique de choix. Malheureusement, cette semaine, il n'y a que deux matchs qui sont, je dirais, soit limite, soit contre la cote. Donc le match limite, c'est LG1-OUO. Pour le moment, on est qu'au premier jour, les gens vont miser toute la semaine, mais en général, la cote du départ est maintenue. Donc LG1-OUO, qui est un match serré sur lequel je vous invite à investir. NB1-AOC, si vous êtes joueur ou pas, c'est à vous de voir. Pour moi, les AOC devraient gagner. Évidemment, si c'est le cas, on va vraiment se blinder parce que là on a une cote très défavorable en faveur des AOC, donc on devrait faire un bon x5 ou un bon x6 si jamais les AOC gagnent. Ça va être chaud puisque vous le voyez, hein, les joueurs jouent vraiment les cartes de puissance, donc cette cote elle va augmenter en faveur des NB1, donc on sera bien normalement. Mais les AOC jouent très bien, encore une fois, leur match contre les NB8 était serré, ils ont gagné, ils sont repassés derrière et jusqu'à 5 minutes de la fin ils étaient en tête. Donc j'ai bien stressé face à mon pari sur la NB8, mais au final, heureusement pour moi, la NB8 ont gagné et ils vont avoir la rage, ils vont vouloir gagner là. Donc faut vraiment y aller, et les NBA aussi vont avoir la rage puisque c'est s'ils perdent et que les NB8 gagnent, ça va être compliqué pour eux de sortir en tête de la poule et donc ils risquent d'être éliminés. Donc pareil pour les AOC, hein. Les AOC s'ils gagnent contre les NB1 et que les NB1 gagnent contre les 1NB8, alors là on en aurait 3 qui auraient le même score, donc je sais pas comment ils départageraient, mais en tout cas ils ont encore leur chance. Donc là rien n'est joué dans cette poule et les deux équipes vont tout donner, donc vraiment c'est un pari risqué, c'est à vous de voir. Voilà, je vous remets le détail de mes cotes. Donc on joue NB2, C9N, encore une fois là je m'étais trompé en choisissant, donc on joue C9N, DSN, DSP, UCS, UTB, JWM, les A, les NCB, le 1093, IKM, les White Tiger, BBTH, AOC, LG1 et évidemment 1NB8. Voilà pour mes cotes pour ces pronostics pour cette deuxième semaine de Ligue Osiris. Écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez réussi à faire un plus beau coup que celui que j'ai fait avec la NB8. Je serais curieux de le savoir. N'hésitez pas à me partager le montant de vos gains. Là, les 10 000, c'est juste énorme. Je suis tranquille et je vais tout miser. Je pense que je vais faire le coup, que je vais miser l'intégralité, même, c'est quasi sûr, sur les AOC. Si je gagne, j'aurai plus de 60 000 auric, ça serait formidable. Si je perds, bah, j'aurai plus rien, mais c'est pas grave, c'est le jeu. J'espère que vous serez aussi chanceux que moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes les vidéos. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.